Bon matin! Bon matin! Il manque juste Mathis, mais là, il prend ses vitamines, là. Il s'en vient. On est dimanche matin. Dimanche matin. Un dimanche matin de... Oh! Verglas, oh! Neige, vent... Oh! Bon, c'est cogné les orteils. C'est de la neige! De pas belle température. Mathieu a été appelé ce matin pour aller déneiger à Longueuil, là, pour son travail. Fait qu'il est parti travailler. Et finalement, le hockey a été annulé à cause justement de la mauvaise température. Toutes les parties des mariniers d'aujourd'hui ont été annulées et vont être reportées. Donc, on a une petite journée relax à la maison. Honnêtement, je suis bien contente de ne pas avoir à me déplacer avec les routes glacées, enneigées, venteuses et tout ça. Là, je suis contente de rester à la maison. On va se reprendre une autre fois pour la partie de hockey. Mais moi, mon gouvernail, il tourne même pas. On vient de finir de regarder le Titanic, traumatisé Félix. Ouais. Le Titanic a coulé! Disons qu'il y a beaucoup de monde qui meurt à la fin du film. Il y en a 2500. 1500. Ouais. Donc, vous allez nous suivre dans notre petite journée aujourd'hui. Donc, on a 1500 okay. personnes vivantes. Parce qu'il y était 2500 personnes à vivre. OK. Aujourd'hui, on a des lunchs à faire pour se préparer pour l'école demain. On a les devoirs à faire. T'es pas dans le bon sens, Mathis, pour que je vois ton pouce. Non plus. OK, enlève ton pouce, s'il te plaît. Faut faire les devoirs, on a la bouffe à faire un peu. Demain, c'est de la tourtière, juste à la dégeler, ça, y a pas de problème. Puis les collations, tout ça. Puis du lavage encore. Pour qu'on ait les sacs à collation propres parce qu'ils sont pleins de yogourt. Puis c'est pas mal ça. Vous allez voir ce qu'on va décider de faire. Bonne journée! Bonne journée! Bon, les gars commencent à avoir faim pour dîner. Ça va être un dîner très simple. Mathis a choisi qu'il voulait seulement de la crème aux tomates spéciale Mathis. Je vais lui laisser vous expliquer c'est quoi une crème aux tomates spéciale Mathis. La crème aux tomates avec du fromage râpé. Dedans? Ouais. Ouais. Super. Et du fromage râpé spécial Marie. Ouais. Puis Félix, lui, il veut des toasts au beurre d'épinards confiture. Ça va être un dîner gastronomique. C'est le genre de dîner qu'on fait quand papa est pas là, parce que lui, manger ce genre de repas-là, ça le satisfait pas. Doucement, mon homme. Donc, moi, j'ai pas faim, le déjeuner était à 11h30, puis là, il est juste 1h et... Hop, oh, là, il y a plus d'heure, là. 1h30. Parce que je vais grignoter dans l'après-midi quelque chose. Là, j'ai sorti ma purée de date que j'avais faite au congélateur, comme ça ici, pour faire des Madame Labriski. Tu peux le mettre au frigidaire, mon homme. Au frigidaire, s'il te plaît, avant qu'il tombe et qu'il fasse. Ah, pas dedans. Ouais. Je vais aller montrer dedans. Des genres de petits brownies, Madame Labriski, que les gars aiment bien. Puis là, Mathis a trouvé dans le frigidaire des biscuits de Noël encore qu'on avait, là, des. Pillsbury. Je pense qu'on va les faire eux autres aussi, on va les passer. Les biscuits reines. Comme ça ici. Pillsbury, ça, le petit bonhomme? Ouais, c'est ça. Donc, on va les faire tantôt en même temps que ceux aux dates de Madame Labriski. Donc, je fais leur petit dîner tout simple. Oh non, il est parti avec toute la pizza, chaton. Chaton est parti travailler, mais il a pris toute la pizza. Je voulais que ce soit un lunch de gars aussi demain. Je vais lui demander qu'il m'en garde deux morceaux. Hein? Ouais, Marie, je sais pas s'il va finir tard. S'il finit tard, ça va peut-être être son dîner et son souper. On verra bien. Bye bye. À la sauterelle. Oh, j'ai une grosse.
gros, des devoirs à Mathieu, c'est fait. Je suis contente, ça c'est bon, ça a quand même relativement bien été. Là. Il était agité ces temps-ci, là, mais les devoirs, ça a quand même bien été. Et M. Félix avait oublié d'amener son cartable avec toutes ses choses dedans. Donc, on n'a pas pu faire beaucoup de devoirs. On a pu pratiquer sa table de multiplication de 3 et son verbe être au futur simple, parce que c'est la seule chose qu'on savait qu'il y avait, puis sa lecture de 10 minutes. C'est tout ce qu'il a fait. Mais au moins, Mathis, lui, c'est fait. Mais Félix, c'est sûr que demain, il va devoir en faire beaucoup plus avec Mamie Rachel, au lieu de jouer au hockey avec papy, comme d'habitude, à cause de son oubli. Et oui, ça arrive, c'est la vie. Et où est-ce que Kelly? J'ai parlé avec Chaton aussi, qui est parti sur le déneigement à son travail. Et il me dit que je dois pas l'attendre pour souper et qu'on va peut-être juste se croiser en se couchant, finalement. Fait que, faut pas que je me fie sur lui. Donc, mon lunch de pizza que je pensais avoir pour les gars demain, je l'aurai pas non plus. Il est parti avec les 4 points, donc il va avoir son dîner et son souper. Et il en restera pas. Il faut que je pense à autre chose pour les boys, pour leur dîner de demain. Ça risque de ressembler à la semaine passée, sauf qu'au lieu d'être des croquettes de poulet, je vais y aller avec un wrap au jambon, quelque chose comme ça, là. On verra bien. Puis là, ben, je m'apprêtais à faire des petits desserts, pour, comme je vous parlais tantôt, là, pour la semaine. Ma purée de dattes est dégelée. Donc, c'est des Madame Labriski. Je pense que ça vient, c'est le premier livre, celui-là, je crois. Celui-là ici. Et c'est les écœurenteries que je fais. Ça fait des petites bouchées grosses comme ça, au chocolat, style biscuit Oreo. Et c'est vraiment très bon. Puis je vais faire aussi les Pillsbury que je parlais tantôt. Celui-là ici, comme ça. J'ai dégelé des muffins qu'on avait, parce que j'ai eu un bout de temps où je faisais des batchs de muffins pour en avoir deux congelés. Donc j'en ai dégelé. On en a 3 sortes. Celui-là ici, ces 2 sortes-là, c'est bleuet, pépite de chocolat. Celui-là, c'est framboise, chocolat blanc. C'est la recette de 3 fois par jour, les muffins aux fruits à personnaliser. Puis celui-là ici, c'est des muffins sans et pépite de chocolat. C'est la recette à ma maman. Donc, on a pour un petit bout comme ça. Mathis, ça fait des beaux déjeuners, tu sais, il s'y prend lui-même, puis il peut manger en bougeant, tu sais, comme lui a besoin de beaucoup dépenser d'énergie. Donc, c'est pratique, puis c'est une bonne façon de le faire déjeuner. Hein, Kelly? Quoi, c'est que mon petit bébé? Elle a de la jasette, fille! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais! Qu'est-ce qui se passe? Oui! Oui! Oh ben! Oh non! Tu me dis pas! Ouais! Et les gars sont partis jouer dehors. Là, il était temps qu'ils sortent dehors un petit peu au lieu de végéter sur le divan ou au sous-sol. Donc, ils sont partis jouer dans leur fort à l'école. Ils ont commencé à bâtir un fort dans la cour d'école. Donc, ils sont partis là-bas avec des pelles pour... Mais je ne sais pas comment ils vont continuer. Là, c'est tout glacé. Là. Fait que je pense pas qu'ils vont pouvoir. Puis moi, je vais aller les rejoindre. Au fond, il faut que j'aille à la pharmacie tantôt, qui est attenante à la cour d'école. Donc, il faut que j'aille chercher une prescription. Puis d'autres petites choses. Donc, on va aller faire ça avant que ça ferme. Là. Ça doit fermer. Il est 3h35. Je vais faire mes petits desserts. Puis je vais y aller après. Ça va fermer à 5h. Donc, je m'y mets si je veux pas passer tout droit. Thank you.
lunch des gars pour la semaine. Non. Lundi, mardi. Un pic assiette. Ça ressemble, c'est similaire à la semaine passée, là. Un wrap jambon fromage. Salade pour Félix. Les collations. Félix Matisse. Pour lundi, mardi. Ça donne ça ici. Donc, il reste juste le mien à faire pour demain et le souper. De maman, filet de tilapia et tout plein de légumes, menou menou. Un super filet de porc, sauce crémeuse au pesto. Les gars, je les ai mis dans un petit bol pour qu'ils goûtent. Orzo aux fines herbes, carottes à l'ail. La même chose pour Mathis ici. Le lunch de chaton et mon souper à moi. Chaton! Hein? Bon appétit, gang! Bonsoir! La préparation pour le début de la semaine est pas mal faite. Les gars sont couchés. Il me reste juste à finir ma vaisselle. Je vais vous montrer le restant de l'lunch. Vous avez vu les repas principaux, puis le reste, c'est pas mal tout le temps ce que je mets. Il y a toujours deux mini-ups. Restant, j'achète les mini-ups. Ils les boivent pas souvent, là, mais de temps en temps, j'aime ça qu'il y ait quelque chose d'autre. C'est ça ici. Comme ça, un petit bébé-up. Mini-up. Un aux fraises pour Mathis et un à la vanille pour Félix. Et dans leur boîte à lunch, ils ont aussi... chacun une compote de pommes comme ça. Puis aussi des biscuits. Comme là, Mathis, il y a deux biscuits reines. Puis Félix, lui, il a, comme ils ont mangé à soir, une galette, la brisquie, puis un biscuit reine. Donc, c'est ce qui complète leur lunch avec leur bouteille d'eau pour la classe et leur bouteille d'eau pour le dîner. Voilà. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo de ce week-end, de dimanche. Au fond, il me reste ma vaisselle à finir, puis je me mets en pitch, j'ai jamais froid dans le divan. Pour ne rien faire d'autre, jusqu'à l'heure d'aller prendre ma douche et me coucher. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine, puis on va se reparler mercredi matin, dans ma journée de congé. Bye!